Ah, donc là on est le 11 août. Ouais. Il est donc 11h20. 25. Et donc avec Elsa et Amelia, on est parti faire un tour en bateau électrique, donc sans permis là. Et on a pris carrément 2 heures. On va essayer d'éviter les algues qu'on voit un peu sur l'eau, sinon ça va bloquer le moteur là. Ouais. On ne doit pas s'approcher à plus de, elle nous a dit nous, 300 mètres du rivage. La dernière fois c'était à 200 mètres, mais là étant donné que il y a pas mal d'eau encore qui a donc été vidée du lac, maintenant c'est 300 mètres du rivage. Et là, comme on a décidé de passer une bonne journée, on a pris des victuailles pour manger sur le bateau. Donc pour l'instant, c'est moi qui ai conduit là, et après, ce sera Elsa qui prendra la barre. Et puis aussi un peu aussi Amelia. Oui, je suis là. Là pour l'instant, on se dirige au niveau de l'église de Chantecoq là. Oui, je vais là-haut. On va éviter un peu les algues quand même, hein, parce que sinon on va plus avancer. Donc là, c'est Elsa qui conduit là. Je suis concentrée là. Là, on est à côté de gens qui sont sur des paddles. Ouais. Et il est 11h35. Voilà donc le lac du Der. Donc là on s'approche tranquillement du port de Nemours. Très haut, il n'y a aucune vague. Il devrait faire aujourd'hui dans les 28-30 degrés. Là, on est sous un petit abri là, sous le bateau. Là, il fait super bon. Et le capitaine assure toujours un bateau. Et moi, je m'avance un but, j'en bombeur, trop bon. Donc on arrive au niveau du port de Nemours avec la digue et le seul phare, celui qu'on voit là, c'est le seul phare du lac. Donc on va aller jusqu'au drapeau rouge là et après on longera le rivage là. Donc là, le drapeau qu'on voit rouge là, il est affiché un chiffre, c'est la profondeur du lac là. Donc là, au niveau du drapeau, la profondeur elle est de 9 mètres. Pouvez-vous, capitaine, nous rapprocher s'il vous plaît du rivage? Parce que là, je fais un documentaire animalier, je cherche des animaux, j'en vois pas encore. Là où on voit qu'il y a des signes. Je suis presque, papa. Il manque presque rien du tout pour toucher l'eau. Maman? Ouais, il manque. Il manque 3 médias. Ça ne peut pas tomber, hein. T'as touché? Non. Bah attends, on verra, c'est après. C'est nul, hein. Au loin là-bas, c'est le port de Sainte-Marie du lac Nuisement là.
là où en face il y a des cormorans qui sont en masse là, sûrement sur un banc de poisson. On va tenter de se rapprocher. Oh, regarde, il vient. Les vagues finissent, je crois, les vagues. Je sais pas trop quel bateau a fait autant de vagues, mais... Je pense que c'est les plus gros bateaux au monde. Ah bon ? C'est pas de beau. Donc là, c'est Amelia qui pilote. Oui, je suis fort, je peux piloter. Ouais, c'est le capitaine, elle est concentrée. Il y a quelqu'un qui va devant nous. Eh ben, va à droite un peu. Vas-y, va à droite. Voilà, c'est bien. Ça va à gauche pour redresser. Voilà. Très bien. Et c'est le bronzage. Non, non, lui, c'est bateau que nous. On voit Amelia très concentrée là. Capitaine qui est à fond. Regardez là. Papa, je pense que c'est dedans, du coup je vais tomber un peu à droite. Bon, en fait. Regarde. Là, je suis sur le bon niveau. Eh, capitaine, tu tiens plus la barre là. Oh, là. Mmh. Voilà, donc là, on va vers le. Vers l'église. Oh, l'église sur ta coque. Regarde après l'enfil. On passe à gauche comme ça, regarde, Amelia. Et après, tu vas tout droit vers la maison. Là. Vas-y. Tout droit vers la maison. Amelia, elle est hyper concentrée là. Parce que là, vous pouvez voir, elle rentre le bateau au port. Donc là, il faut qu'elle dise la grosse maison qui est là-haut. Attention au rivage quand même, hein. Va plus à gauche. Voilà, très bien.